Salut tout le monde, vidéo découverte aujourd'hui sur le jeu de Surge. C'est une démo version d'essai plus précisément, disponible sur le PSN Store dont je me suis procuré et dont je vais vous faire la présentation, du moins la découverte plutôt. Dès à présent, j'ai juste fait genre les 5 premières minutes du jeu. Voilà, je peux continuer ma partie, mais hop, on va la supprimer. On va revoir la cinématique d'intro et l'intro du jeu en fait. J'ai juste fait ça les 5 premières minutes de jeu. Et autrement, on va Les vers découvrir de ça ensemble. l'Antiquité disaient, une société Bon, a je vais tout laisser son l'intro. apogée lorsque les anciens plantent des arbres en sachant qu'ils ne profiteront jamais de leur ombre. Nous avons tendance à l'oublier, à être négligents. Mais ensemble, nous nous devons d'être à la hauteur. C'est à chacun d'entre nous de semer ses graines et de les faire pousser jusqu'à maturité. Créo n'est pas une société comme les autres. Grâce au projet Résolve, nous construisons l'avenir. Suivez-nous dans cette nouvelle ère. Une utopie pour l'humanité. Nous guérissons notre planète en restaurant son bouclier naturel. Retrouvons le monde verdoyant de nos souvenirs, où nos enfants pourront à nouveau jouer sous le soleil. Résolve ne revitalise pas uniquement la Terre, mais aussi ses habitants. Nous l'avions tous rêvé. Et Créo en fait maintenant une réalité. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Avec nous, libérez votre potentiel. Ok. Du coup, je vais pas forcément vous présenter le jeu puisque bon, il est quand même athée, assez, hop, et c'est putain, il est 2 h du mat. Il a quand même assez été commercialisé, médiatisé, etc. Donc voilà, on voit toutes les équipes de développeurs, d'éditeurs, etc. C'est pas ça qui m'intéresse pour les triple A comme ça. Bienvenue. C'est un jeu en Je sais TPS que tes contrats t'intéressent. dans Pense. un univers Je suis futuriste content où en pour fait on toi. joue un Créo, mec en vous savez exosquelette. que nous sommes Et forts, bon, ça peut être croyez-vous. sympa, en Nous tout cas sommes c'est là classique, partout où mais vous allez. Même si vous ne nous à voyez voir, pas. à voir. C'est Mais quand l'objet vous de cette vidéo regardez leur découverte, pays, n'est-ce pas? Créo est l'un des plus grands fabricants de produits industriels et de consommation. Mais nous sommes bien plus, et c'est pour ça que nous existons. Chez Créo, nous visons toujours plus haut. Nous avons toujours adopté une vision globale. Ils envoient Nous des visons le fusées tiers-monde, dans l'espace pour créer une leur sorte de éducation, bouclier autour de la Terre, je sais pas Valiant trop. Minds, et bien sûr des projets tels que Résolve, qui profitent à tous. Créo ne veut pas seulement changer le monde. Non, pas de vue Avec ce inversée, j'aime projet pas ça. Résolve, nous allons le sauver. Team vue Et pas sans inversée. aucune hésitation, chez Créo, nous Hashtag avançons team tous vue dans la pas même inversée. direction. Alors bienvenue dans votre nouvelle vie au sein de la grande famille Créo. Et le jeu est sorti, je crois, là, en avril 2017, un truc comme ça, en première partie de. Premier trimestre 2017, il me semble. Ok, et donc du coup, Sortie sur la on joue ce droite. personnage-là, en fait, qui est en fauteuil roulant. Et qui va donc bénéficier d'un exosquelette pour pouvoir, entre autres, remarcher et aussi péter la gueule à des robots. Bienvenue chez Créo. Ah, donc ça, je l'avais fait, hein. Nous sommes C'est ravis pas de long. vous accueillir au sein de notre famille en Et d'ailleurs, perpétuelle on va le voir croissance. dans très peu de temps. On peut choisir une sorte de Veuillez classe, en vous fait, présenter à d'exosquelette. l'enregistrement. Soit, alors, faut que j'en vérifie. Soit, moi, c'est ce que j'avais pris, ce que je vais reprendre. Quelque chose de relativement léger et un autre de plus lourd en fait. Et moi Avis à j'aime pas tous les trop les gameplays passagers, lourds où on joue là veuillez vous présenter des persos à qui sont lourds, qui l'enregistrement. sont lents, Cette qui station font ferme certes à du la mal, mais sortie. enfin, ça Bienvenue, rend pas mon truc l'enregistrement. quoi. Je préfère être agile, Chez être Créo, nous sommes agile de mes convaincus qu'un bon mouvements. travail est obtenu par l'association du bon Donc en outil général, je et de choisis la souvent les bonne armures personne. légères, les. Et le combat rapide. Donc voilà, on peut Veuillez lynx. choisir parmi les deux postes à Et l'autre c'est le pourvoir et rhino, voilà, ça formuler annonce une la attente couleur. ordonnée. Brut et persistant. Alors après on essaie de. Putain, hop, Après certes plus résistant. l'enregistrement, vous recevrez votre bon d'équipement de travail Je sais même pas si personnel. on y a accès, ça se trouve, vu que c'est la démo. Si, si. Il va juste s'approcher, je pense. Ou agile et versatile. Je sais pas ce que veut dire vraiment versatile, à vrai dire. Si vous aimez vivre à 100 à l'heure, Créo vous ouvre la voie vers le succès, Hop, entendez-vous? on postule. Petite cinématique où on se fait un peu charcuter. C'est assez bizarre leur façon de mettre l'exosquelette. Parce que vous voyez, il y a pas mal de machines, de Programme d'installation robots, genre un truc d'exosquelette assez en cours. pointe de la technologie.
Et vous allez voir, en fait, ils nous foutent des vis dans la gueule, Programme quoi. terminé. Je sais pas. Patient sous sédatif. On s'est dit que ça serait un petit peu plus Début sophistiqué que ça. d'opération. Mais bon, pourquoi pas, hein? Voilà, c'est un peu barbare. Du coup, voilà, on se fait poser notre exosquelette, on tombe un Implantation de peu dans les reconnexion pommes et on se programmée. réveille un peu milieu de nulle part, vous allez voir. Alors, on n'a pas encore fini. Oh mon dieu, je ne sais pas où est-ce qu'elle va celle-là. Voilà, c'était la blague scatophile de la journée. Si on veut qu'une vidéo YouTube marche, il nous faut voilà le quota. Donc, je suis obligé aujourd'hui, vu les règles de YouTube, de faire des blagues pourries pour avoir le quota pour que la vidéo soit. Efficace, n'importe quoi. Voilà, donc on se réveille, on n'est pas frais. Dans une sorte de décharge, c'est un peu bizarre. C'est pas trop pourquoi on arrive là, on a l'air quand même mal en point. Genre là, on a une sorte de pris une grosse cicatrice, là, enfin, on a une sorte de grosse cicatrice sur le côté de la tête. Même les cheveux qui ont brûlé, alors, ça, je sais pas, c'est assez étrange. Mais on a la possibilité maintenant de marcher, chose qu'on ne pouvait pas le faire avant. On a aussi là maintenant la possibilité de taper les robots. Évidemment. Voilà, je prends le premier pot d'échappement qui me vient sous la main. Voilà, donc tuto, Vous appuyez avez sur. été désigné pour le désassemblage. Ah ok, d'accord, en fait, c'est pour ça, c'était bon pour la casse. Voilà, donc on a une barre rouge qui est la santé, une barre verte qui est l'endurance, on peut se régénérer avec rond. On verrouille avec R3 et on tape avec R1. Vous avez été désigné. Ok, si j'arrive à à bien toucher ma cible. Alors, visiblement, la santé est finie pour l'instant. Je sais pas, on verra après. X pour faire des esquives. Alors, aussi avec R2, on peut faire des attaques horizontales et R1 verticales. Et du coup, enchaîner des combos avec. Ah non, c'est pas infini, j'ai plus de merde de santé. Le con, j'ai épuisé le truc. Bon, c'est pas grave. Merde, j'ai pas vu. Je vous ai pas vu eux. Alors, on peut faire des bombes pour esquiver. C'est un peu bizarre de faire des. Je suis plus habitué aux roulades, moi. Du coup, on a. Je sais pas si la hitbox fonctionne encore. Genre, quand on fait ça, je sais pas. Et du coup, voilà, moi je m'étais arrêté ici. Alors, on peut parer avec L1. Et niveau feedback, c'est sympa. J'ai vu mieux, mais j'ai vu bien. Non, ça va, c'est cool. Et ouais, du coup, j'ai cramé toutes mes. Non, c'est un implant en fait qu'on a sur la tête là. J'ai cramé toutes mes. Merde, toutes mes trucs de pour me soigner. Bon, on va se retrouver, mais j'ai pas l'air fin maintenant si je meurs après. Ce qui est bien sur la c'est qu'on est vite dans le jeu. Il n'y a pas genre une demi-heure où on se fait chier. Aïe. Ah, j'avais fait la barre de con. Attends. Appuyez sur 1 pour ouvrir votre inventaire. Alors, un quai. Oh, il y a des éléments d'RPG intéressants. Santé, endurance, l'énergie. On doit y avoir de pouvoir électromagnétique, n'est-ce pas? Consommation de puissance de noyau, puissance détachée. Ok, donc il y a du crafting. Sympa, ça va, j'aime bien parce que le tableau de bord est pas trop incompréhensible à comprendre. Un plan équipé, oh, pas mal en termes de système d'amélioration. Putain, je crois que mon voisin il a ce jeu. Alors pour l'instant ça me plaît bien. J'ai fait quoi? Même pas 5 minutes. Mais je pense que j'irai lui demander le jeu complet. S'il s'avère que j'aime bien. Inventaire, organisateur, statistique, pas mal, pas mal, ok. Est-ce qu'il y a des trucs à looter ici ou c'est juste des décors? Est-ce que genre faut qu'on pète des trucs? Qu'il est. Oh, je peux ramasser. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Analyse médicale, nouvel implant. Ah bah, du coup, implant. Analyse médicale, consommation de puissance du noyau. Fait apparaître les jauges de santé des ennemis. Ah, je l'avais pas avant ça? Faut croire que non. Ça, c'est quoi que j'ai? Injection vitale. Ah oui, d'accord, c'est ce que j'ai épuisé. Ok.
toilette. Station médicale, ok. Erreur détectée. Merde. Un plan, mais du coup ça je l'ai déjà fait. Stocker les pièces détachées. Modifier l'apparence, non. Fallait que je fasse quelque chose ou bien. Améliorer la puissance du noyau, modifier votre sélection d'implants, récupérer votre santé et restaurer la situation d'implants dans un centre médical. Ok, ouais. Bon. Et bah, c'est bon. Échanger votre noyau énergétique défectueux. Ah. Noyau énergétique défectueux, what the fuck. Donc juste monsieur qui peut être associé aux emplacements correspondants. Chaque implant a une façon de puissance de noyau, on a des effets particuliers sur le personnage. Votre noyau énergétique semble défectueux. Un noyau énergétique à l'état de marche est nécessaire pour utiliser toutes les fonctionnalités de votre exosquelette. Mais j'ai rien à faire en fait. Ici du moins, enfin je sais pas, ou alors il faut que je récupère un truc avant. Pas comprendre. Ah non, bah non, c'était bon. Vous me recevez? Oui. Oui. Vous m'entendez? Oui. Comment interagissent avec toi? Oui. Ah ah! Votre exosquelette a été endommagé. Son signal de détresse s'est déclenché. D'accord. Vous devez retourner dans l'usine. Ok. On vient de m'attaquer. Je ne connais pas. Déjà. Il y a des morts partout tout autour de moi ici. Peut-être qu'on pourrait d'abord m'expliquer ce qui se passe. Qu'on pourrait boire un verre et m'expliquer ce qui se passe. Vous devez entrer dans l'usine. Vous pouvez peut-être fabriquer quelque chose pour vous défendre. Ouais, mais je dois trouver un peu d'échappement. Ouais. Toujours une unité d'assemblage d'équipement. Endommagé. Ce truc fonctionne, enfin, assez pour moi. Ouais. Bien, bien. Mais il vous faut un noyau énergétique pour le faire fonctionner. Ah oui, plus de puissance. Comment t'as ton usine? Bon, d'accord. Je vais me diriger tranquillement vers l'usine, alors. Je vous déconseille d'y aller à pied. Il devrait y avoir une station de maglev pas loin. Elles ne sont jamais loin des bases d'opération. Ok. Au revoir. Je suis en route. Soyez prudent. Et pensez à remplacer le noyau énergétique. Ouais, ouais, ouais. Rendez-vous aux bases d'opération pour fabriquer des objets et modifier vos implants. D'accord. Est-ce qu'il y a une sorte de minimap? Oula. Salut. T'es d'accord. Ok. Bon, on va pouvoir avoir une map, peut-être que j'y ai pas encore accès. Oula. Du coup, je sais pas trop où aller. Après avoir verrouillé, utilisez R pour viser des parties du corps. Oh. Oula, oula, oula. Point faible. Visez la tête non protégée de votre ennemi avec R et attaquez. Ah, intéressant. Corps. Bras droit. Ah, pas mal, ça. Du coup, on va lui défoncer la tête. Oh, il y a du sang. Le mec. Oh, il y a du sang. Moi, du coup, je vais juste couper l'enregistrement. Oula, ça va exploser, ça. Parce que vu que je suis sur PS4, tout ça, la capture, toi-même tu connais les bails, donc ne bougez pas, je reviens de suite. Voilà, re. Alors, oula. Vita Boost. Un nouvel implant, cool. Attends, on les ramasse comme de la ferraille ce truc-là. Vita Boost. Consommation de puissance du noyau. Ah oui, d'accord, oui. Ok, d'accord, la barre de noyau, là, il y a 3 sur 10 en dessous, c'est voilà, une sorte de barre de limite. Augmente la santé maximale, profondément la puissance du noyau. Ah merde, il faut d'abord que j'aille à la station médicale. Ah, il faut que je fasse. Je peux pas faire ça, genre, dans la nature, quoi. Il faut que je fasse ça. Est-ce qu'il y a des parties non protégées des ennemis? Mais je vois pas trop, là, en partie non protégée, à vrai dire. Ou alors, c'est indiqué. La tête, ça marche bien. C'est pas plus costaud, hein.
Et en effet, je vois leur barre de santé. Et oui, je disais, il faut que j'aille aux stations médicales pour pouvoir mettre mes implants. Je peux faire ça n'importe où, n'importe comment. Bordel, pourquoi vous n'écoutez pas? Vous devez améliorer votre noyau énergétique ou le remplacer, sinon vous n'êtes pas prêt de franchir cette porte. Si vous continuez à essayer de le surcharger sans la capacité d'énergie appropriée, vous allez avoir la sécurité sur le dos. Ok. On n'a pas fait tout ça pour se faire choper maintenant. Ces Qui implants es-tu? valent un paquet de fric. C'est notre ticket de sortie. Ne foutez pas tout en l'air. D'accord. Alors déjà, on pouvait aller par là, donc je vais un peu explorer. Je sais que ça marche pas en fait. Oh. Ah, j'ai enregistré mon audio. Je n'en reviens pas qu'ils aient viré le docteur Chavez, malgré ses années de travail acharné, Qu'est-ce que je son m'en dévouement envers la fous? communauté. Qu'est-ce que je m'en Voilà fous? ce qui arrive quand on défend ses convictions. Le truc inquiétant, c'est qu'elle a raison. J'ai vu les chiffres. On doit redoubler l'effort. Maintenant, plus que jamais, d'autres personnes baisseraient les bras. Mais elle n'en fait pas partie. Et je suis pressée. Ah, mais ils sont plus costauds, ces robots! Utiliser les exo-élévateurs pour atteindre d'autres zones, d'accord. Eh bien, faisons ça. Oh, ce stylet. Par contre, le mec, il est genre tellement pimp quand il fait ça. Ok. Petit matériau recyclable. Les attachés peuvent être utilisés depuis votre inventaire pour vous procurer un certain nombre de nouvelles pièces détachées. D'accord. Oula, je crois que j'allais tomber. C'est tout? Genre, je suis monté que pour ça. Et il semblerait. Non, il n'y a pas de truc là. Non, c'est Keblo. Non. Non, hein, ce serait plus simple. Autrement, bon, on redescend. On va se friter avec le mec à la porte. Alors que je pensais. Alors que je pense, toujours même, que je ne suis pas en mesure de l'affronter équitablement, mais soit. Qui ne tente rien à rien, n'est-ce pas? Oui, alors ça, oui. Il est seul. Allez, je regarde un petit peu ce qu'il y a. J'ai mal déjà. Oula, lui, par contre, il est pas mal. La tête! La tête, j'ai dit. Par contre, j'ai pas l'impression qu'ils prennent beaucoup de dégâts là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Fuite. Merde. Ah putain, j'ai l'habitude de faire rond là, parce que je suis en train de jouer à Dark Souls. Et du coup, les esquives avec Dark Souls, c'est rond. Et là, c'est X sur ce jeu, donc c'est un peu perturbant. Lol. Mais je lui fais zéro dégâts, j'ai l'impression. Et moi, il m'en fait pas mal, quoi. Ah putain, je fais n'importe quoi. Qu'est-ce que je suis censé faire? Bon déjà... Ah putain, je peux même pas me régénérer. Ai-je un objectif? Inventaire, fragment... Non, ça, non. Si je retournais à la station médicale, déjà, peut-être que ça peut me soigner. Là, par contre, lui, par contre, il m'a aggro. Et surtout, peut-être que je pourrais mettre mes implants. C'est bon de vous voir. Alors, un plan. Genre, ça. Ça, ils sont déjà mis. Sur le gain. Donc c'est quoi que j'ai mis au moins de la santé maximale finalement. Ouais, genre vraiment un petit peu quoi. Mais du coup. Bordel, pourquoi vous n'écoutez pas? Vous devez améliorer votre noyau énergétique ou le remplacer. Sinon vous n'êtes pas prêt de faire. Ah, je peux pas les affronter, d'accord. La sécurité des locaux est notre plus grande priorité. Elle doit être la vôtre. On n'a pas fait tout ça pour se faire choper maintenant. Ces implants valent un paquet de fric. C'est notre ticket de sortie. Ne foutez pas tout en l'air.
D'accord, les robes. Ah, mais il y avait une porte là-bas. Parade. Oh. Faut que j'en mette de l'endurance. Et voilà. Du coup, c'est par là qu'il faut que je passe. Ça marche pas. Putain, je suis con en fait, je crois que c'était la porte. Non. Ah non, c'est pas cette porte là. Alors du coup, moi je suis persuadé que... Il y a un truc là-haut, mais... Est-ce qu'il y a un truc que j'ai loupé? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah non, d'accord, y a rien. Putain, je vais pas aller voir une soluce quand même pour une version d'essai, quand même. Non, il n'y a rien à faire ici. Putain, la loose. Oui. Par ici, j'avais déjà été voir. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Nope. Oh, on peut sauter en sprintant et en appuyant sur R3 comme sur L3 et oula comme dans Dark Souls en fait. Et lui voilà, sa tête est découverte mais les autres non. Il n'y a pas de passage là. On va essayer d'en avoir un gros 1 déjà pour Ah ouais, putain, tous les ennemis du coup rechargent. Shoot first! Et là, hein. Ouh! Je comprends pas! Puisque là, je suis pas supposé combattre. Déjà lui il scanne la tête donc il m'a pas forcément vu. Un truc là-bas je peux le temps de voir tout à l'heure mais à mon avis je peux pas faire. Un noyau intact nécessaire. Putain je sais pas par où passer. Je crois que je vais aller voir une solution. Hein. Lol. Bon on va essayer d'aggro celui-là là. Du coup j'ai pas récupéré ce qu'il y avait là. Aïe. C'est bon. Allez viens avec moi, on va se fighter. On va se fighter à l'extérieur. Pourquoi il veut pas? Du coup peut-être que c'est pas sa tête qui est en débat. Ah non regardez, ah, c'est son bras droit. Ok, un petit coup de picouze. Et lui, là, du coup, on sait pas ce que c'est. C'est le bras droit. C'est ça! Au moins, j'aurais éliminé les gars. Enfin, c'est pas encore fait. Hein. Aïe. Ah, il m'a eu! Fuck, j'ai pas fait gaffe. Bon, au moins, je sais son point faible. Peut-être pas fighter celui qui est dans la turbine. Astuce. Arrêtez de faire n'importe quoi. Ah, ok. Veillez sur vos collègues, ils veillent aussi sur vous. Oui, si tu le dis. Quand vous mourrez, vous faites tomber vos pieds détachés. J'ai pas eu le temps parce que j'ai appuyé. Ouais, bon, c'est vraiment un peu la Dark Souls en fait, j'ai l'impression. Hein. Plus facile, enfin Dark Souls, voilà, le mot est fort hein, pour comparer, etc. Machin, machin, le débat, t'as vu toi-même. Mais
déjà dans certaines fonctionnalités, et pour c'est très bien, hein. Merde, j'ai pris un coup. Alors lui là-bas, il a l'air costaud. Le bras droit, on a dit. Ah bah ça doit être mes... Ah bah oui d'accord, c'est mes... Justement c'est mes pièces détachées de tout à l'heure et... Oh retourner. Et je te finis, allez. Bouf. Ramassez vos pièces détachées, parfait. Mais ça va pas m'avancer à ouvrir la porte ça, hein. Ah, attendez, il y a un truc sur lui. Restore toutes les fonctions de votre exosquelette. Bah parfait. Hey. Je vais retourner à la station médicale. Parfait. Bon, j'aurais perdu un petit peu de temps avec ça, mais c'est pas... C'est aussi ça, les vidéos découvertes. Hop. Et du coup, les stations médicales, c'est enfin, un peu comme les... Vous devriez-vous pas être à votre poste ? Les trucs de feu dans Dark Souls. Est-ce que je suis en plein dedans, Dark Souls ? J'ai beaucoup de mal, d'ailleurs. Parfait. Erreur résolue. Augmenter puissance du noyau. Vous possédez sauvegardes collectées est suffisamment élevé, vous pouvez améliorer la puissance du noyau. Ah bah oui, c'est exactement ça. C'est pas des âmes, il n'y a rien là. D'ailleurs, pour tout vous dire, je préfère Bloodborne à la Dark Souls, voilà, c'est dit. Parfait, encore un, plus augmenté. On peut pas plus augmenter maintenant. Cool, j'ai augmenté de 3 niveaux mon noyau. Parfait, du coup, ma santé, je suppose qu'elle est également. Améliorer. Non. Connexion à la base de données restaurée. Vérification de la base de données. Bon d'équipement détecté. Oh, j'ai un bon achat. Parfait. Est-ce que je peux reparler à la meuf là du coup? Je suis réparé. Vous êtes toujours là? Oui. Je ne peux rien. Ah bon, bah elle va te faire foutre. Du coup, la porte. Et du coup, ça recharge les ennemis. Est-ce que ça recharge? On recharge tous les ennemis, genre celui qui a la porte. On va voir ça. Oh, je peux l'achever. Oh, stylé, stylé, stylé! Alors là, je dis oui. Prévenir qu'on fait des trucs stylés, les gars. Hein. Il en faut plus. D'ailleurs, alors, je sais pas si c'est possible dans Dark Souls ou pas, mais il n'y a pas de cinématique comme ça. C'est dommage. Ça pourrait rendre bien. Là, c'est deux fois la même, mais bon. Oui, il est encore là. Allez, j'ai le temps de le combattre. Non, j'ai pas le temps de le combattre avant de faire ma capture de vidéo. Lol. Du coup, ne bougez pas. Heureux, et on est reparti. Le bras droit. Bouf. Ah, mais du coup, j'ai une barre en dessous là. On peut maintenant surcharger le circuit. Une sorte de barre bleue là qui se remplit au fur et à mesure que j'attaque. Ah, bah, c'est ça que. D'accord. C'est une sorte de finisher que je n'avais pas avant. Ok, cool. Ramasser. J'ai ramassé une arme. Cool. Alors. Alors, dégâts de 31. Vitesse d'attaque haut. Non, attendez. Impact haut. Vitesse d'attaque bas. Ouais, c'est une arme lourde, quoi. On va la prendre ne serait-ce que. Ah oui, c'est quand même costaud. Hein. Ah oui, c'est plus lourd. Allez, on surcharge ça. Parfait. Et la porte est ouverte. Nickel. Chaîne de montage principale. N'oubliez pas de découper les parties du corps en armure pour récupérer de nouveaux équipements. Ok. Plus une partie du corps reçoit des dégâts, plus elle a des chances d'être tranchée. Oh. Salut. Ta tête? Non. Ok, en fait, le bleu, là, c'est à force de taper, je gagne la barre bleue, je crois, à moins que là, elle s'en charge d'elle-même. Et après, je peux faire des finishers trop stylés. Plan pour Torse Lynx.
Ok, cool. Utilisé pour vous connecter à l'exodateur. Pas tout de suite. Putain, c'est cool, j'aime bien ce jeu-là. Je vais vraiment aller voir mon voisin s'il l'a encore. Mais il m'avait dit qu'il l'avait beaucoup aimé, alors je sais pas s'il l'a terminé ou non. Mais des fois, il la revend en fait, c'est pour ça. Le segway. on va continuer d'explorer un peu. Salut. Loupé. Ok. Alliage Tungsten. Ouais, bon, du loot quoi. Oh bah tiens, t'es là toi. Découper les armes à partir de corps et armure pour récupérer de nouveaux équipements. Ok. Bras lynx cassé. Un autre plan. Génial! Je peux te décaisser moi, je suis un fou moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors. Attaquez vos ennemis pour emmagasiner de l'énergie. Dépensez de l'énergie pour utiliser vos implants et achever vos ennemis. Cool. Il faut surcharger ça. Puissance est trop faible. Ah fuck. Je suis trop faible. Ah mais du coup c'est des trucs que genre il faut revenir plus tard, ça. C'est cool. Ça, ça marche pas, je suppose. Nope. Sympa, sympa. Je m'attendais pas à ce genre de jeu en fait. C'est pour ça que je suis un peu genre ah trop bien, cool. Alors en vrai, c'est des mécaniques qui existent. Enfin, je dirais partout, mais. Ok, ça c'est la porte de tout à l'heure. Ah bah pareil, ça fait des raccourcis. Mais c'est très bien, hein, je suis en train de genre dire ah là là, c'est pareil, tout ça, plagiat, MDR, mais non, non, pas du tout. Bien au contraire. C'est une bonne chose, parce que je ne me sens pas dépaysé, encore moins du fait que je joue à Dark Souls. Je vous l'ai dit, non ou pas? Que je suis en train de jouer à Dark Souls. Le 3 d'ailleurs. Ouais, j'ai commencé par la fin. Alors, Kizako, ça je peux le faire. Je peux surcharger. Circuit d'alimentation contourné. Alors, je sais pas ce que ça a fait. On va aller voir plus bas. Une sorte de tuyau que j'ai cramé. Oh, stylé. Ça a dû ouvrir ou actionner quelque chose. Je ne sais pas quoi. Alors, pas une caisse, hein. Non. Ah, c'est ouvert maintenant, ça. Yeah. Yeah. Combinaison de soutien. Nouvel implant obtenu, parfait. On a encore eu des soucis avec Robert Weave. Ah, putain, j'aurais pas dû le faire. J'aime pas les enregistrements dans les jeux comme ça, je trouve ça chiant. Un plan, on a dit. Ah non, faut que je trouve un truc médical, je suppose. On va juste voir ce que c'est. Injection vitale. Ah non, j'ai déjà ça. Combinaison de soutien, je suis con. Consommation de diminution d'énergie. Atténue la diminution d'énergie. Atténue la diminution, mais ça veut rien dire. Bon, c'est un bonus. Mais c'est cool, du coup, on a 4 emplacements et après on peut la jouer stratégique, je suppose. On peut coupler certains trucs ensemble. Ah, sympa, sympa. Mais il pense que la direction veut contrôler le personnel grâce aux implants. Il a même aussi parlé de ses histoires de syndicat. Attends, il a réussi à me foutre un coup sur ça. Ça pourrait nous coûter plusieurs mois de retard sur le planning. Le truc, c'est qu'il se rend pas compte que ça lui simplifierait le travail. Je recommande l'élimination. Oh, mais il a volé en plus. Hop. Cool. Là, mais il y a du monde en fait là. Ah, il m'a vu. Raté, René. Tiens, bouffe. Toujours du loot, c'est très bien. Bah, beaucoup de points positifs pour comment c'est lancé un coup de grâce ne garantit pas un tranchage réussi. Concentrez-vous sur l'attaque sur la partie que vous voulez. On peut pas forcément toujours faire le coup de graisse. La tête, la tête, la tête, je vais trancher la tête. Le mec il s'excite. Maîtrise d'armes augmentée, montée d'une main niveau 2. Cool. J'ai ramassé un nouvel implant, mais décidément, on en ramasse plus en fait.
Vu que ça, j'ai pas compris à quoi ça servait. Atténuer les émissions d'énergie, dans ce que j'ai. Comment je sais ce qui était équipé? Ah, ok, d'accord. Un injection qui régénère en 30 secondes. D'accord. Bon, on peut pas le mettre là. Donc, peu m'importe. Je vais pas forcément aller jusqu'au bout de la démo dans cette vidéo parce que ça fait déjà quand même plus d'une demi-heure. On va juste faire cette zone là, voir un petit peu s'il y a des trucs de nouveau à voir. Rien à vu par contre. Mais j'aime beaucoup, franchement. Je vais redemander à mon voisin s'il a toujours le putain de ferraille. Ouais, on va explorer cette zone et puis je vais m'arrêter là, même si du coup c'est vrai que j'ai pas montré grand chose, vu que j'ai plané un peu, je dirais. Je vais détacher, bien. Je commence à avoir beaucoup là. Ça. Non, je peux pas l'ouvrir. Nope. Mais agréablement surpris du jeu, puisque j'avais pas vraiment recherché beaucoup. J'avais rien vu pratiquement. Même pas un trailer, je crois, juste des images. Même pas de vidéo. Et du coup, vraiment bien surpris. Tiens, bouffe. Après les combats, on voit pas trop ce qui se passe et où ils sont deux. Un peu avant de dire un truc. Ah bah j'ai eu les deux en même temps, putain trop fort. Mais je disais les combats du coup on voit pas trop ce qui se passe, il y a quand même pas mal de détails genre dans les combats, enfin, dans les corps à corps. Du coup ça perd un peu de son charme je dirais. Mais ça reste cool quoi. Le feedback reste correct pour qu'on se lasse pas, enfin qu'on apprécie malgré tout le fight. C'était pas la porte de. Non, bon. Bah du coup là je vais pas tarder à m'arrêter. Même si je pense que voilà, il reste encore pas mal de temps de démo que je vais continuer à jouer de mon côté. Mais juste là pour la vidéo. Sinon ça va être trop long quoi. Je regarde juste un petit peu l'endroit. Ah ça je peux. Ah ok d'accord, ouais c'est bien le. Ah bah je peux aller jusqu'à la station médicale, tiens. Ça va me permettre de mettre mes implants et tout et tout. Alors attendez, je regarde là. Vite fait. Oula, ça pue la merde. Ok, parfait. Ça sert à rien de mettre une porte là, les gars, en vrai, hein, franchement. Ok, bah du coup on va retourner à la station médicale. Il y a juste un ou deux petits combats, voilà, il y a des robots ici. Bonjour. Ok, parfait. Tac, et on va s'arrêter là. Et moi, je vais continuer parce que j'aime ça. J'aime ça, j'aime bien. J'aime Avez-vous ça. besoin d'aide, Warren? Avez-vous besoin d'aide? Warren! Bah, tu vas pas me dire plutôt mon nom? Alors, j'ai mal compris, je sais pas. Alors, augmentation du niveau. Oh, bah oui, je peux à fond là. C'est cool! Emplacement d'un plan dévoyé. Cool! Ah, du coup, on peut faire plus que 4. Cool. Allez, hein, on a de la place. Je crois que j'avais déplacé. Ah non, mais il est là. Et ben, on va équiper de ça. Consommation de puissance, santé restaurée. Injecte une solution régénérante dans le système sanguin qui se lie au plasma sanguin. Avec le sang du sanguin. C'est diffusé dans le col. D'accord, bon, c'est tout, quoi. Il n'y a pas plus à chier, quoi. Tu. J'ai juste. Je sais pas trop ce que ça fait. Appuyez sur A pour faire défiler les injectables. Ah, ok, d'accord. C'est deux types de guérison. Ok. Ok, d'accord, j'ai compris. Et bien, du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'aime beaucoup ce jeu, donc je vais continuer à y jouer au maximum que la démo me le propose. Et je vais aller harceler mon voisin pour voir s'il peut me le prêter. Même si je suis déjà sur Dark Souls, je galère plus à Dark Souls et c'est. Peut-être que je vais plus prendre mon pied sur The Surge, puisque ça a l'air d'être moins dur, moins punitif, moins exigeant. Alors, on va pas lancer un débat sur Dark Souls, comme quoi, oui, c'est un jeu hardcore, faute d'un hardcore gamer, tout ça, bref. Pff,
parce qu'il est presque 3h du matin que je dis un peu n'importe quoi. Toujours est-il que je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt. Salut!